Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux. Et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, les conditions de jeu sont parfaites aujourd'hui pour cette affiche que vous attendiez tant. Vous le voyez sans doute, les tribunes sont pleines, la météo donne le sourire aux spectateurs. Pour mieux que ça dure, allez, tout est réuni pour qu'on vive un beau moment ensemble. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. Nantes ne gagne plus, mais alors plus du tout. Oui, c'est un constat assez terrible, hein. Je ne sais même plus à quand remonte le dernier succès. C'est long, trop long, et la grogne commence à monter. Honnêtement, je ne sais pas quel est le problème, mais entre les erreurs individuelles et le manque de réussite, bien, pour arrêter cette série, il faudra du changement. On est bavard, on en a même manqué le coup d'en... Oh, le coup de tête! Encore une chance! Et le but! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Mais quelle faute de main du gardien! Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Le Paris Saint-Germain qui confirme cette belle habitude de marquer dès le début de rencontre. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Dans la profondeur, il y a peut-être un coup à jouer. Mbappé sur le poteau. Il est allé au bout de son action. Bien joué. C'est quand même extraordinaire ce qu'il arrive à faire avec la balle. J'adore tous ses dribbles. Qui voit les rencontres s'enchaîner ces temps-ci. Et oui, et c'est là qu'il faut pouvoir compter sur un gros effectif. Ils ont vraiment besoin de tous les joueurs. Oh, le geste inutile, il s'est complètement jeté. Penalty. C'est une occasion en or d'égaliser. Bon, l'intervention était peut-être un peu trop virile au goût de l'arbitre. Mais il fallait faire quelque chose là. Ils ne sont pas d'accord, mais l'arbitre ne veut rien entendre. On a passé la mi-saison, ils sont toujours en route vers la perfection. Ça serait vraiment incroyable. Mais bon, attention maintenant au relâchement et aux blessures quand même. Neymar! Le ballon dans la profondeur, la passe dans l'axe. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Le FC Nantes adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire, forcément.
La touche à suivre. Mendy. Il n'y a pas eu de round d'observation dans ce bon début de match. Ça fait donc 1-0. En la profondeur, bien vu. Mendy, il a de l'espace. Le centre devant le but. C'était bien vu, dommage. Là, il peut centrer. Pjanic. Pjanic qui cherche une solution. Le gardien est là, pas de problème. Oh, voici Neymar. Il est bien placé. Le bon dribble. Mendy. Et le centre, bien. Il tente sa chance. Et c'est sur ce dernier frisson que se termine la première période. Le Paris Saint-Germain qui mène d'un but, mais qui va évidemment repenser longtemps à cette occasion manquée. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. Le score donc 1-0. On espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Et voilà une avance qu'il va falloir défendre maintenant. Et pourquoi pas tenter de faire le break rapidement? Le Paris Saint-Germain qui affiche une défense solide ces derniers temps. Et ils vont effectuer cette touche. Goretzka. Ça joue long vers l'avant. Mbappé. Le jeu repart vers la droite. Il tentait d'écarter, mais le ballon est perdu. Kayembe. Traoré. Un seul but inscrit dans cette rencontre jusqu'ici. On attend un peu que ça s'anime, franchement. La passe allongée. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Il mène, mais toujours pas d'occasion dans cette deuxième période. Il peut choisir de centrer. Ça ne passe pas. Il se fait pardonner. Touré. Il reçoit le ballon. Un centre vers le second poteau. Il est là pour dégager. C'est une remise en jeu. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Oui, ouais, il était hors jeu. Nantes qui effectue donc un nouveau changement. Et c'est un attaquant qui rentre. Mendy, ça bouge côté gauche. Il a tenté, bien joué. Dans la boîte. Touré. Nantes qui peut avancer. Allez. Traoré. Bouzamba. Il perd l'équilibre. Ça joue long. Il est tout seul. C'est bien ce qu'il fait là.
Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Et la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace que les ailes. Mendy. Le Paris Saint-Germain qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Goretzka. Dagba. Quelle inspiration! Il ne résiste pas au contact. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Un moment de pure inspiration. C'est tout simplement incroyable, magic. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Oh, c'était parfait, le gardien ne pouvait rien là-dessus. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Neymar qui s'est offert son 5e but de la saison. Paris Saint-Germain qui procède à un changement dans cette rencontre. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. Ouais, ils ont certainement assuré la victoire avec ce but. L'arbitre siffle, le match est terminé. Et un score qui reflète la physionomie de ce match. On s'est régalé tout au long de la rencontre. Franchement, c'est un spectacle qui réconcilie avec le football. Alors dites-moi, dites-nous Darren, ce que vous avez pensé de ce match. Eh bien, ils sont récompensés pour leurs belles intentions de jouer sur les ailes. Voilà le simple résumé de cette rencontre. Et ça me va très bien. Lorsqu'on arrive à bien étirer le jeu comme ça, on crée des espaces. Et là où il y a des espaces, il y a danger. C'est terminé. On a pris beaucoup de plaisir cet après-midi. Et merci pour votre analyse, Darren. À bientôt. Merci, Grégoire. On remet ça quand vous voulez.
Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette rencontre qui s'annonce au mieux. Pourquoi? Parce que le ciel est dégagé, parce que la rencontre est enrichonnée, parce que l'échauffement s'est parfaitement passé. On a même vu des attaquants réussir des frappes incroyables en pleine lucarne pendant cet ultime entraînement. Je peux dire que si on est reproduit en match, on va se régaler. Bref, l'ambiance est magnifique et on espère forcément entendre ce stade vibrer au rythme des très nombreuses occasions. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Metz va donc jouer à 3 devant. Qu'en pensez-vous, Darren? C'est un système assez classique où les trois attaquants jouent un rôle très important. Surtout les deux ailiers. Plus ils jouent écartés, plus il reste espace à l'attaquant. La perte du ballon, ça permet d'avoir trois joueurs pour presser assez haut. Et la clé, c'est leur complémentarité. Ok, c'est parti. Gomez qui dispute là son premier match depuis son transfert. Que peut-il apporter à votre avis, Darren? Je trouve que c'est surtout quelqu'un de très malin. C'est un défenseur posé qui analyse la situation en un clin d'œil et qui a souvent le bon geste après. Quelle autre action, attention! Et c'est le but! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. C'est clair qu'il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer tout son talent, encore une fois. Quel mec sur le terrain. Non mais quel sang-froid, il est allé au bout de son action pour marquer un but fabuleux. Elle fait du bien, cette ouverture du score. La longue passe, il peut en profiter. Quelle intervention de Chiellini! Goretzka. C'est osé. Ribéry. C'est joué long. Un centre. Oh, le coup de tête! Dans la surface. Il rejoue derrière lui. Le jeu repart vers la droite. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. C'est bien fait. Il tire! Oh, l'arrêt de Moulin! Metz qui a le contrôle de l'entrejeu. La longue passe. C'est joué dans l'espace. C'est bien intercepté. Le bon ballon. Peut-être une occasion pour Nguet. Mbappé. Oh, Ribéry. Ribéry. Il joue long. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Nguet. Oh, quel geste. Obligé de reculer. Il met le ballon dans la surface. Il tente la reprise. Mais c'est bien fait, mais ça ne suffit pas. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Goretzka.
Paredes. Le Paris Saint-Germain qui mène toujours 1-0 et réussit pour l'instant l'exploit de ne pas avoir concédé le moindre tir. C'est solide défensivement en tout cas. Ils n'ont même pas concédé un seul tir alors qu'on est quasiment à la mi-temps. C'est reparti, ils peuvent contrer. Bonne intervention. Dagba. Bon service dans la profondeur. Santonze. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. L'équipe a vraiment trouvé son rythme dans cette partie. Ça combine bien, il y a de l'application dans les gestes. Et personne n'a peur de tenter sa chance, c'est bien. 1-0, tableau d'affichage. Il y a encore 45 minutes à jouer. Le temps de finir votre analyse, le jeu a déjà repris. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Oh, Ribéry. Bonne lecture de la trajectoire. 111 qui allonge. Il cherche son coéquipier, Ribéry, qui écarte le jeu. Qui est le premier sur ce ballon? Ah, pas de réussite, ils ne se sont pas compris. Paredes. Le Paris Saint-Germain qui mène d'un petit but. Allez, il faut faire plus pour se mettre un peu à l'abri. Il écarte, ça joue long. Il reçoit le ballon. Le centre est parti, il tente sa chance. Pas de chance, ça méritait mieux. Le Paris Saint-Germain profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Autour du gardien de jouer. Le gardien dégage. Le Paris Saint-Germain qui peut avancer. Allez. Goretzka. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Il a trébuché sur cette intervention. L'ouverture lumineuse. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Alors Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? J'espère tenir cette courte avance jusqu'au bout. Ribéry à droite. C'est bien donné. Oh, il faut frapper. Le soutien derrière lui. Il y a danger. Attention, ce n'est pas terminé. Il peut frapper. Au meilleur des moments possibles. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. C'est clair, c'était carrément hors de portée pour le portier. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Le Paris Saint-Germain vient peut-être de se mettre à l'abri.
Ça joue long vers l'avant. Il tente de se dégager. C'était une bonne intervention. C'est joué dans la profondeur. Pour filer droit au but. Chiellini. Goretzka. La bonne passe. Ribéry. Il cherche la profondeur. Il va avoir de l'espace. Là, il peut centrer. Ça doit faire but. Allez, c'est dangereux. Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Oh, quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, on s'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Alors dites-moi, dites-nous, Darren, ce que vous avez pensé de ce match. C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Les conditions étaient parfaites pour cette rencontre. La tension en revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et le coup d'envoi a donc été donné. Bale. Goretzka. Il poursuit son effort dans l'axe. Mbappé ! Oh, la main ferme ! Ah, il va s'en vouloir, mais cette parade était juste fantastique. Neymar. Saint-Germain, qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. C'est un bon ballon. Mbappé ! Le ballon renvoyé par le poteau. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Il y a de l'espace là. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. La faute.
prétentieux quand même sur cette frappe. Il est très loin, il y avait sûrement mieux à faire. Pjanic. Mendy qui est servi sur cette bonne transversale. Peut-être l'occasion pour Neymar. Et le ballon qui est remis dans l'axe. C'est joué dans la profondeur. Le ballon dans la quelle détente. Et il manque le geste décisif. Le Paris Saint-Germain profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur axe n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Il est sur le côté. Le bon centre. Il met la tête. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon, sauf le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Meunier, qui est de nouveau titulaire pour son retour. Bien, la profondeur. L'interception au bon moment. Touche donc. Bale. Meunier. Il passe sur l'aile droite. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il va au duel. Bonne passe. Goretzka. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Pas de but dans cette première période, mais ce match est loin d'être terminé. Un premier bilan peut-être après ces 45 premières minutes. C'est étrange, quoi. Autant ils sont précis dans la construction, autant ça manque de réussite dans les derniers gestes. Mais s'ils continuent à s'appuyer sur le bon jeu de passe, ça devrait finir par venir. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période on aura un ou deux buts. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. La frappe, attention ! Le jeu vient de reprendre et les filets tremblent déjà. Les joueurs de ce calibre ne restent jamais trop longtemps sans marquer. Quel régal ! Très rapide et décisif à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Premier but dans cette rencontre. Vivement la suite. Ça ne devrait même pas me surprendre de le voir marquer. C'est un véritable métronome. Et il perd l'équilibre. Mbappé. S'il le trouve. Le gardien dégage loin. Oh la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il joue en profondeur. Il tire. Une très longue passe. C'est intercepté. Un peu d'air pour la défense. Mbappé. Mbappé ! Oh, quelle parade ! Oh, quel bel arrêt ! Oui, il était bien concentré. Bravo ! Ballon à
intercepté. Ça soulage la défense. Au tour du gardien de jouer. Diallo. Mbappé. Qui est marqué de très très près. C'est bien normal. Il a un talent fou pour se faire oublier et puis réapparaître derrière la ligne des défenseurs. Il décide d'allonger le jeu. En retrait vers son gardien. Gomez. Le ballon donné dans la profondeur. Bonne interception, il y avait danger. Une très grande ouverture. La défense est très solide. Ça joue long vers l'avant. Peut-être une occasion pour Neymar. Ça doit faire Mbappé. Il compte maintenant les avances de 2 buts. Il a joué juste dans le dos du dernier défenseur, pile au moment où il fait. Le break est fait, on est reparti. La longue passe. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Ça joue à gauche. Oh, le petit ballon piqué. Oh, bonne lecture, intercepté. Voici Fofana. Meunier. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Oh, quelle belle performance de leur part aujourd'hui. Franchement, c'est régalé à commenter cette rencontre. C'était vraiment un superbe spectacle. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre. Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt. Avec grand plaisir, Grégoire.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf, c'est parfait pour ce match. Croire le staff technique, l'équipe devrait jouer en 3-5-2. Bon, je pense que dans ce système, il faut se concentrer sur la défense à 3. C'est gérable uniquement si vous avez les bons défenseurs. Pour bien construire, il faut qu'ils aient une certaine qualité de relance. Et il est surtout important qu'ils communiquent bien entre eux et sachent parfaitement se placer. Sinon, ça devient vite compliqué. Le match commence. Esteban Andrada joue pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. Vous en pensez quoi, Darren? Écoutez, Grégoire, je trouve que c'est un très bon gardien. Du genre à pouvoir faire la différence à lui tout seul. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut l'abandonner non plus, hein. Quelle intervention de Soleil. Il allonge le jeu. Oh, c'est bien fait. C'est une faute, l'arbitre intervient. Ce sera un coup franc. Oui, ça démarre fort. C'est le premier joueur de son équipe averti. Gomez. Arnold. Le Paris Saint-Germain qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes. Neymar. Oh, but. But pour le Paris Saint-Germain. Et ouverture du score pour le PSG. C'est rare de voir une telle puissance, c'est spectaculaire aussi. Alors là, c'est tout simplement beau. Dans l'intention et dans la réalisation. Son sixième but de la saison en championnat. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Dans la profondeur. Dans le dos de la défense. La frappe. Une très grande ouverture. Ribéry. Arnold. Qui est de nouveau titulaire pour son retour. La longue passe. Il a du champ sur le côté. Ribéry qui centre. Interception. C'était chaud. Montpellier qui peut avancer. Allez. Ferry. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Il concède un coup franc. Dernier avertissement oral de l'arbitre. La prochaine fois, le carton va sortir. Se prendre un carton alors qu'il reste autant de temps de jeu, ce serait vraiment dommage. Montpellier qui peut
peut, on l'a vu, compter sur son entraîneur pour faire la différence. Et oui, il n'a pas hésité à prendre des risques pour aller chercher la victoire. Remplacer un défenseur par un attaquant de pointe, fallait oser quand même. Un peu de maladresse peut-être dans cette perte de balle. Ferry. C'est reparti, ils peuvent contrer. Bale. C'est joué dans l'espace. Le ballon est repoussé. C'est récupéré. Peut-être une occasion pour Ribéry. Bon service dans la profondeur. Il y a danger. Ça peut faire mal. C'est au fond des filets. Le break est fait, deux buts d'écart désormais. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et il n'avait plus le temps de réagir. Arnold, il en est désormais à 3 buts dans ce championnat. Paris Saint-Germain vient peut-être de se mettre à l'abri. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Et ils essaient de repartir de derrière. Transversal. Le ballon sur l'autre aile. Il relance côté droit. Oh, quel geste! Le glissé. On en restera là pour cette première période. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué. Le match vient tout juste de reprendre. Goretzka. Bale. Il va frapper. Attention, la frappe. Le corner est joué court. Bernat qui cherche une solution. Avec Verratti. Il peut tirer. C'est joué derrière. Eh oui, il n'avait pas de solution là. Ça passe. Allez, jusqu'au bout. Dans la surface. La tête. Encore un but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Un centre parfait. Il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. C'est bien joué ça. Super timing. On le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage.
la profondeur, bien vu. Ce n'était sans doute pas la meilleure option. En plus, il avait du soutien. Une occasion peut-être pour Bale. Neymar. Neymar. Quelle parade magnifique. Long ballon vers l'avant. Le long ballon à l'opposé. Ils ont changé d'aile. Bien joué ça. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est joué long. Il passe en retrait au gardien. Il décide d'allonger le jeu. Le Paris Saint-Germain qui peut féliciter sa défense. Elle n'a pas cédé au cours des 5 dernières journées. C'est joué long. La longue passe, il peut en profiter. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Et la touche maintenant. Le jeu s'arrête, le temps de procéder à un changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. Oh, quel geste! Là, il peut centrer! Dans la profondeur, ça pourrait être dangereux. Il est à distance de... Bale! Aucun danger pour le gardien. Magnifique travail du gardien qui a bien fermé l'angle, a poussé à l'erreur. Une intervention de grande classe. Et c'est donc un changement. Franchement, attendre aussi longtemps pour faire son premier changement, alors qu'on a 2 buts de retard, pour moi c'est incompréhensible. En profondeur pour Delors. Il tente sa chance. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites, il fallait le sortir. Il tente de se dégager. C'est parfait, magnifique. Savanier. Il peut y aller. Et le cadre se dérobe largement. Qui a déjà pris le pas sur la défense. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie...
Salut à tous, grand plaisir de vous retrouver pour cette rencontre dont le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Le ciel chargé au-dessus de nos têtes, on annonce beaucoup de pluie dans quelques minutes, mais cela ne devrait pas toucher l'enthousiasme des supporters qui sont venus très nombreux, qui mettent une magnifique ambiance depuis une heure maintenant. Pendant la présentation des équipes, pendant l'échauffement, ils auront sans doute un rôle à jouer dans cette rencontre. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche, quel plaisir d'être là. Le match commence. Faux pas absolument interdit aujourd'hui. Il poursuit son effort dans l'axe. Arnold. Ça joue long vers l'avant. Sur la gauche. Goretzka. Oh, il faut frapper. Mbappé. Un long ballon vers l'avant. La passe en retrait vers son défenseur. Le Paris Saint-Germain qui s'était imposé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et espère bien remporter une nouvelle victoire aujourd'hui. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Neymar. Mbappé. La longue passe. Mbappé! Pour le Paris Saint-Germain! Il n'a pas tremblé, formidable! Et premier but pour le Paris Saint-Germain! Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. Mais c'est le joueur à marquer de près. Un attaquant de ce calibre, si vous lui laissez une chance de briller, eh bien, il vous le fait payer. Ça, c'est sûr. Elle fait du bien, cette ouverture du score. Ils ont marqué ce but que les fans attendaient. Maintenant, ils vont devoir protéger leur avance. Le Paris Saint-Germain, qui est l'une des meilleures défenses du championnat ces derniers temps, ça fait désormais 5 matchs sans encaisser le moindre but. Bravo. Il cherche la profondeur. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Mais ce ballon en retrait vers le gardien. Pjanic. Le Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle. Belle passe lobée. La touche à venir. Pour repartir proprement. Vasic. C'est joué long. Oui, touche. Oui, bonne lecture sur cette touche. C'est récupéré. Arnold. L'arbitre siffle la fin.
fin de cette première mi-temps. Les deux équipes gagnent donc le vestiaire avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Le Paris Saint-Germain qui mène donc 1-0. Mais attention, tout est encore possible en seconde période. La seconde période a donc déjà débuté. Oui, mais attention à ne pas se reposer sur ses lauriers. 1-0, ça pourrait vite basculer. Il va provoquer. C'est bien fait, ça. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Cette possession un peu stérile. Vasic. Bordeaux qui espère encore aujourd'hui un nouveau coup de génie de son entraîneur. Vous savez, un match tient parfois à rien. Il suffit de faire le bon changement au bon moment pour forcer la décision. Mais il ne faut pas se tromper, hein. Bien défendu, c'était chaud. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Exact. Frappe! Il croque maintenant une avance de 2 buts. Impossible pour le gardien d'aller la chercher là-bas. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. On est déjà à 7 buts en championnat cette saison. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ils vont sans doute être plus détendus maintenant. Et qui sait, peut-être même prendre le large. Transversal. Changement d'aile. Kalou. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Ça joue long. Aïd Bennacer. Aïd Bennacer qui cherche à construire. Neymar. Et ils essaient de repartir de derrière. Goretzka qui est marqué de très très près. C'est normal, il a le chic pour faire des passes décisives. Il a déjà prouvé. Oh, le bon ballon. Il met la tête. Un terme définitif à tout suspense. Un coup de tête magnifique. Beaucoup de sang-froid pour mettre cette tête. Le geste était parfait. Un peu de coaching, c'est bien. Franchement, attendre aussi longtemps pour faire son premier changement, alors qu'on a 2 buts de retard, pour moi, c'est incompréhensible. C'est reparti, le score est maintenant de 3-0. Poli va passer en retrait vers son défenseur. Il allonge vers l'avant. La passe est précise. Et il perd l'équilibre. Son coéquipier est libre, bonne passe. Il tire. Ça commence à faire.
ce ballon. Tout simplement imparable. Oh oui, super tir. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Camado ! Il est lancé sur l'aile. C'est osé. L'arbitre siffle. Le match est terminé. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui quand même de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Alors, que retenir de cette rencontre? Un clean sheet et un match gagné. Bonjour à tous et bienvenue, c'est un grand plaisir de vous retrouver comme toujours. Le stade, vous le voyez, est quasiment plein, même si le ciel est menaçant, l'ambiance est au beau fixe dans les tribunes. Les joueurs se sont parfaitement préparés pour cette rencontre. Et vous aussi, j'espère, on va vivre un bon moment de football. On a senti une vraie attente autour de ce match et notamment chez les supporters. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. On devrait donc avoir une attaque à 3. Ça peut être très efficace, surtout quand vous avez des joueurs rapides et techniques sur les ailes. Après, ça nécessite une bonne entente entre les ailiers et les latéraux pour qu'ils puissent bien combiner et compenser. Mais quand les latéraux montent, ça permet aussi aux attaquants excentrés de repiquer dans l'axe. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Reine Adélaïde. Thiago Mendes. L'Olympique Lyonnais, qui est invaincu à domicile cette saison, c'est bien de ne pas l'oublier. Il cherche la profondeur. Paris Saint-Germain qui cherche l'étincelle avec Mendy. Il est bien placé. Le soutien derrière lui. Le Paris Saint-Germain qui essaye de construire. L'Olympique Lyonnais qui peut vraiment remercier son entraîneur pour sa dernière victoire. C'est clair et tout le monde en a parlé. C'est bien de voir un manager tenter les choses comme ça. Ils essaient de repartir de derrière. Ils jouent long sur le côté. Sur l'aile gauche, et il a du soutien.
Un sang. Allez, la tête! Oh, la tête! Pas de réussite! Paredes, Bale, Mbappé, Goretzka. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score, c'est joué derrière. La passe est prête. Oh, la frappe! Ce corner à la rémoise. Il est à distance de tir. Verratti. Bien repoussé par le gardien. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Reine Adélaïde. Dembélé. Cornet. Oh, le bon ballon. Oh, c'est chaud. Attention à ce centre. C'est bon, le danger est repoussé. C'est récupéré. Draxler! Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. La longue passe. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Marco Verratti. La passe allongée. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner le vestiaire pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses. Je ne me souviens même pas d'une occasion. C'est donc sur ce score de 0-0 qu'on va se quitter un instant, mais on se retrouve tout de suite. Et on est déjà reparti. On a vu les stats et avec deux fois plus de tirs d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. Thiago Mendes. Dembélé. C'est dommage qu'il ait gardé le ballon comme ça, alors qu'il avait des solutions de passe. Il envoie le ballon dans l'axe. Il tente de se dégager. C'est joué long, c'est dangereux. Ça part de l'autre côté. On essaie d'écarter le jeu. Peut-être une occasion pour Neymar. Le Paris Saint-Germain qui peut féliciter sa défense. Elle n'a pas cédé au cours des 5 dernières journées. Oh, voici Bale. C'est le moment de centrer. Bale, de la tête. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Super débordement, même si le marquage était un peu à l'arrêt. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Draxler!
Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Ça va sur l'aile. C'est bien fait. Thiago Mendes. Dembélé. Le gardien n'a même pas eu à intervenir. Le Paris Saint-Germain qui effectue un changement. Carrément en ce moment, il s'est passé tout près, deux, trois fois. À force de tenter, ça va finir par entrer. Un peu de sang neuf dans les deux équipes. Repoussé pour le moment. Draxler reçoit le ballon. Il est en bonne position pour centrer. Draxler le sent. La tête sur le poteau. Oh, c'était l'occasion de faire la différence. Quel dommage. C'est joué long. Le bon dribble. Attention. Ouf, ils s'en sortent bien là d'un cheveu. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Ça doit être rageant pour eux. Ils auraient pu faire la différence sur cette action. Le gardien loin devant. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est joué dans l'espace. Il peut frapper. Oh, c'est dedans. C'est sublime et ça pourrait être le but de la victoire. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le but scellé le score. Est-ce qu'on en restera là? Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. Le Paris Saint-Germain qui arrache la victoire en toute fin de rencontre. Oui, ils y ont cru jusqu'au bout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Darren et au revoir à tous. Avec grand plaisir, Grégoire.
Thank you.